par les hommes de Jesse Marsh, les joueurs de New York, qui avec cette sixième victoire consécutive à domicile s'empare de la première place de la conférence. Il faudra compter avec New York, avec les Red Bulls cette saison pour le titre à MLS. Nette domination de la part des New York Red Bulls, vous le voyez avec ce tableau des stats. Et pour un groupe, pour un vestiaire, on le rappelle, hein, même si c'était la dernière équipe de cette conférence Est, cette victoire est belle parce qu'il y a eu ses ressources mentales. On le rappelle, Chicago menait 2-0 après 26 minutes. Allez, l'ouverture du score sur un pénalty provoqué par Damien Perinel, faute sur l'attaquant Igbo Ananike. Pénalty transformé par le capitaine Larentovic. Chicago mène 1-0. Et il y aura le festival David Akam un petit peu plus tard, toujours en première période, qui prend d'abord l'ascendant sur Conor Lade et sur le petit crochet efface Lade et Robles le gardien pour inscrire un but magnifique. Chicago mène alors 2-0 sur la pelouse de New York. Alors en fait c'est assez mal défendu de la part de Luis Robles et de Conor Lade. Il faut dire qu'il y a la vista. Le duo infernal de New York réagit. Clay Stan, le meilleur passeur, pour Bradley Wright Phillips, le meilleur buteur, pointu. Et 14e but de la saison pour l'attaquant anglais. L'égalisation va intervenir sur ce centre de Lloyd Sann que Maguela a tout le temps de contrôler. Il peut se retourner et tromper le gardien adverse. Ça fait 2-2. But intervenu à la 38e minute. Et en seconde période, eh bien, il y aura quelques occasions pour New York, comme ici sur cette frappe enveloppée de Mike Grella. Et le troisième but interviendra sur une faute pas très évidente ici sur Lloyd Sann, faute de Michael Stephens selon l'arbitre. Ouais, il tient peut-être un petit peu le bras, mais bon, c'est sévère. Et c'est Clay Stan quand même qui va transformer ce pénalty pour la victoire de New York. 3-2. Victoire et première place de conférence pour les hommes de Jesse Marsh. Ouais, match qui va compter en ce 11 septembre 2015. Voici ce classement réactualisé aux extrémités New York et Chicago. Et vous le voyez, un 26 matchs joués par New York contre 28 à DC United et au Columbus Crew. Classement de la conférence Ouest, l'autre conférence dominée par Vancouver,